Michael de Q-Cup, Hercule. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter une scène, la scène du Quaka, comme on l'appelle, chez nous. La construction d'une scène, vous allez voir à quel point ça a été dur pour en arriver de ce que je vais vous montrer maintenant. Ça vous est déjà arrivé au boulot, vous êtes en train de faire caca aux toilettes, et vous êtes vachement constipé, ça tord le bide, et bon, vous faites votre affaire, vous relevez, vous essuyez, et vous regardez dans les toilettes, et bon, c'est pas si gros que ça, et au moment de remettre votre pantalon, quand vous êtes debout, là, vous sentez, c'est humide le long de votre jambe, comme ça, là. Et en fait, ça pue, hein, en plus. Et vous enlevez votre pantalon, et là, vous voyez une trace de merde le long de votre jambe. C'est une petite boulette qui s'était coincée dans le pantalon. Ça s'est tout étalé sur la jambe. Et bon, bah, du coup, vous êtes bien emmerdé. Vous êtes obligé de remettre votre pantalon et puis d'aller au boulot comme ça. Ça vous est jamais arrivé? Non, mais moi non plus. Et vous allez voir ce par quoi on est passé pour construire cette scène. Vous allez voir, c'est totalement fascinant. Vraiment. Écoutez, on regarde, toi tu regardes la télé. Eh les gars. Je vais te remettre dans le rôle du personnage. Eh les gars. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, tu fais bien de jouer un peu. Eh les gars. Ouais. Ça vous est déjà... Attendez, moitié mort de rire. Bah je suis pas moitié mort de rire. Ah, moitié. C'est pas totalement. Moitié, c'est pas... Eh les gars. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes style aux toilettes, au boulot, comme ça. Oh putain. Eh les gars, ça vous est déjà arrivé, vous êtes au boulot, tranquille, aux toilettes. Et C'est le... Ah bah oui, tu m'étonnes là, gars. Juste pas, je me regarde, quoi. Mais en fait, on n'est pas... Je sais pas si c'est Miguel, on n'est pas obligé de se regarder. Non, je... C'est vraiment pour être... Je sens poindre. Ah oui, le très très bon mono. Donc on peut voir ici Cédric qui incarne Valentin être dans la problématique de raconter cette histoire qui est longue quand même et de garder un certain rythme. Hein, voilà. Puis au moment de remettre votre pantalon. Je trouvais que c'était un peu humide sur le... Ouais, dans votre truc. Et là, vous baissez, en fait. C'était une petite boulette de coca. J'ai l'impression que c'est super long, en fait. Une boulette de coca. Mais c'est surtout qu'à un moment, t'as dit... J'ai répété deux fois la même phrase. Si vous vouliez, vous vouliez. On dit dans un peu. Une vieille odeur. Vous enlevez votre pantalon et en fait il y a une petite boulette de Alors ici on peut s'apercevoir que la prestation de Stan, jouée par Pascal, n'apporte pas vraiment à la scène, mais il fallait qu'il soit là au niveau de la dynamique des colloques. Une trace de merde sur le long de votre jambe. Non. Je préférais la boulette de caca. Non mais j'allais la dire. Une trace de... Oui, il y a une petite boulette qui était dans votre pantalon tombée. En plus nous on sait même pas la chute. C'est ça en fait. Parce que quand on sera à la chute, je pense qu'elle sera indiquée, on pourra plus la faire. Je joue vachement bien du ukulélé quand même. Eh hey, les gars. Oh, ouais. Vous êtes déjà arrivé au boulot, vous êtes aux toilettes en train de faire caca, vous avez un peu, vous êtes constipé et tout. Poussez tout ça et Ouais, c'est quand t'as une boulette. Même au cas où. Ah oui.
Je vois où c'est une forêt des scènes, non ? Là, on peut remarquer Mathieu qui incarne Oscar qui chie la scène. Voilà, parce que je pense qu'il s'emmerdait. Non, mais c'est dommage que ce soit aussi nul. Enfin, c'est bien que tu le fasses pas. Je sais, mais j'ai pas réussi. Moi, les mains non plus, ça me fait toujours rire. Et de la guitare aussi. De la guitare aussi. Et de la trompette aussi. Elle est où? Elle est où ma trompette? Elle est où ma trompette? Elle est là? Elle est là ma trompette? Moi non plus. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui.